vois bas, cher petit expat. Comment vas-tu? Nouvelle. Ah, bah écoute, aujourd'hui nous parlons d'un plat de la street food ivoirienne. Mais non, nous ne parlerons ni du garba, ni de la loco, hein. Les deux plats s'exportent très très bien tout seuls. Merci. Abordons le blissi. Voilà. Alors, tu sais, cette petite banane braisée accompagnée d'arachides grillés que tu retrouves à tous les carrefours. Alors souvent, tu nous demandes avec ce petit air de poisson rouge perdu dans son bocal, ben, en fait, ça veut dire quoi, blissi? C'est tellement mignon. Eh bien, sache que ce gros mot de nouchi, comme tu le prétends, ne désigne pas une variété de banane locale. Non, ce serait trop simple. Il y a fort longtemps, un chanteur du nom de Blissi Tébil se rendit au Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur, pour y réclamer son djé. Malheureusement, il semblerait qu'il n'ait pas gagné grand-chose. Alors, criant au scandale, au vol, au complot, à l'infamie, il entama une grève de la faim pour réclamer justice. Hélas pour lui, des badauds, lorés dindins, en train de commander une banane braisée, alors même qu'il était censé, eh bien, être en train de mourir de faim. Ah oui! Ah ben non, c'était pas bon pour lui, ça. Ah ben parce que tu nous connais. Bon, tu sais que nous n'avons pas attendu les réseaux sociaux pour charger une affaire sur la tête et que notre sens de l'humour, qui nous permet de surmonter les situations les plus difficiles, a quant à lui largement dépassé les frontières du continent. Alors oui, la rumeur a pris la ville d'Abidjan comme une traînée de poudre et dans un esprit, mais très bon enfant. Hein, mais que comme d'habitude, les jaloux vont qualifier de moqueurs parce que ces Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils aiment se moquer? Eh bien, nous avons rebaptisé ce plat du nom de Blissi. Voilà. Ah ben oui, les choses les plus simples sont les plus complexes et les choses les plus complexes sont les plus simples. Ben, c'est comme ça.